Et on est de retour pour plus de... Je sais pas comment appeler ça. Massacre. Massacre à Athènes. Le boucher d'Athènes? Ah, mais c'est une femme, du coup. La bouchère? Comment on pourrait appeler ça? Un truc stylé, un truc stylé. Non, stylé. Il n'y a même pas de spéciaux, enfin de légendaires. Par contre, il y a un mec qui vient là derrière, non? Ah, ça va, il part. De toute façon, je crois qu'on est toujours pas dans la zone interdite. Bon, en tout cas, re-bienvenue, on est donc dans la zone, dans Athènes. Dans la ville d'Athènes. C'est ultra méga grand. Grande Athènes. C'est ultra... attends, qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est ultra méga grand. Il y a plein de trucs à faire. On est recherché, parce que oui, évidemment, on fout la merde, on est recherché. Mais c'est fun, honnêtement c'est fun. Donc je vais faire cet endroit-là. Parce que on aime bien foutre le bordel, mais il faudrait peut-être pas tuer le mec qui s'occupe de notre... Prime. Car depuis un moment, on n'arrête pas de combattre en fait plein de... Un chien mort là. Plein de mercenaires qui nous en veulent. Ils vont peut-être nous voir là quand même. Donc, ouais, ce serait marrant. C'est assez marrant en fait. On a récupéré des dagues qui sont niveau 36. On est presque 35. Et elles sont vachement bien, elles sont en or. Elles sont vachement bien. On s'en fout. Pas très discret, hein, mais bon. Y a zéro gros garde ici, c'est bizarre. Des flèches de feu. Parce que ça va plus vite. Les Athéniens auront plus de mal à tenir la région. Ah mec. Voilà, dehors, c'est bien. Très très bien. Ah, pas de flèche. Et on avait dit que peut-être notre prochaine habilité qu'on prend, ce serait... Changement de flèche et de la merde. Ah putain, je suis sur le mauvais set. C'est le bordel. Je crois qu'elle est derrière moi. Laka. Ok, deux en même temps.
Ça marche. Je m'enfuis pas, qu'est-ce que tu racontes? T'es avec nous ou pas? Non, t'es pas avec nous. Ils sont un peu débiles, très bien. Très bien. Ah, vous êtes un peu teubés, hein. Boum boum. Ça c'est des... C'est des flèches doum doum en fait. Il y a les balles doum doum et avant il y avait les flèches doum doum. Très bien. Maintenant. Ah mais ça tu me fais chier toi. Il est mort? Non, peut-être pas. Okay. Parce que j'essaye de prendre des putains de flèches de poison, j'y arrive pas. Voilà, merci. J'espère qu'ils avaient rien, enfin qu'ils étaient pas des bons marins parce que merde. Oh mais c'est abusé là. On peut tous les... Ouais non en fait faudrait faire comme ça plus souvent. Hein. Bon du coup je crois qu'on a tué tout le monde. Ah non il est toujours pas mort, yes. Du coup on testera. Je vais voir notre... Ah non notre prime, non même si on le tue pas. Notre prime descend, fait chier. Ah ça c'est cool. Ouais. Il est considéré comme mort. Ça sert à rien ce système là de ne pas tuer les gens. Ça sert strictement à rien. Oh putain. Il me manque des... Toi, tu sers à rien. Est-ce que j'ai tout récupéré? Je crois qu'on a récupéré qu'un seul mercenaire, non? Hein? Ah, lui. Bien. Ouais non je suis un peu déçu là du coup parce que enfin on a travaillé dur hein, pour notre prime donc merde. Yes, ça c'est bien par contre. J'aime bien comme elle se tient comme ça, on dirait un prédateur. Il a tort, le film. Ils se tiennent pareil. Alors, ouf, on a récupéré pas mal de trucs. Vivement 36. Hein, vivement 36. Après, on a de l'or. Ah, peut-être les 30. Ouais, non, là. Pareil de spécial. Aptitude. Donc, on avait dit qu'on voulait potentiellement prendre ça. Non, pas ça. Ça. Ça pourrait être pas mal. Là, on a quoi comme habilité? Ouais.
Mais du coup, il me faudrait que je la mette sur celle où on combat, quoi. Parce que les combats, ça peut. Comment dire? Ça peut, du jour au lendemain, ça peut partir. Enfin, j'en sais rien, je sais pas. Après, on a ça, minimum prévu. De nuit, augmentation des dégâts d'assassinat et en dehors du combat. Peut-être qu'on devrait finir avec ça, d'abord. Ouais, reprendre ça. Comme ça, on gagne des dégâts en dehors du combat et. Enfin, en assassinat. Ouais. Ouais, on va faire ça. On va faire ça. Pour le moment. Le prochain niveau, peut-être. Le prochain niveau, peut-être. Alors, je vais rester à Athènes, parce qu'il y a plein d'endroits aussi en dehors d'Athènes, tout autour, en fait. Donc, pour le moment, on reste dans Athènes. Après, on va faire un peu le bordel. Moi, j'aimais bien le coup des mercenaires là qui venaient de temps en temps, ça c'est cool. Tant qu'ils sont pas très haut niveau, on se débrouille bien. Tu n'as pas le droit de venir ici, Mistyos. Ça va, ça va. Ah, y a des loups. Alors. Allez, c'est le bordel. Moi aussi je veux faire ça avec un bouclier, genre taper dessus. Trop classe. Pourquoi ne meurs-tu pas? Et toi le premier. Il y a des loups qui arrêtent pas de gueuler là. Je sais pas si c'est. Si c'est bon signe. On n'a pas des coffres là. Très bien. Cassos. Suivant. Là, c'est trop bien. Il y a tellement d'endroits. C'est énorme ici. Après, on est encore recherché. Bon, c'est pas très cher, mais ça doit être à 100 pièces. Ces statues sont incroyables. J'avoue que les sculpteurs maîtrisent vraiment leur art. J'avoue. Bon, là, le prochain stop, ça serait la mission principale, donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Et après, on va voir ce qui se passe. Si jamais on doit partir, on va continuer notre... Notre petit massacre à Athènes. Et après on verra. On y est. Ouh, c'est quoi ça? Les Spartiates sont peut-être devant nos murs, mais nous devons demeurer unis pour la gloire d'Athènes. Mes amis, je vous en prie.
ce n'est pas parce que les Spartiates sont devant nos murs que nous devons nous comporter comme eux. Belle récolte! Dommage que les Spartiates l'aient consumé sur pied! Le Parthénon est splendide, Périclès, mais à quel prix? Combien de trirèmes aurait-on pu construire à la place? Nous ne devons pas nous diviser! Nous sommes divisés! Et Sparte en profite! Agis, Périclès, ou je le ferai! Ah, mais c'est une pièce de théâtre. Voilà. C'est pire que je ne l'imaginais. Non ? Cléon à la foule avec lui. Nous devons partir, vite. Où ça ? On dirait une pièce de théâtre. Ah merde, je t'ai pas écouté. Par où ? Il y a beaucoup à faire. Et beaucoup d'incertitudes. Père de la démocratie. Ah, du coup, c'est lui. Hein. Alors, représentant de Attique. Ah, tiens, on voulait que notre prime augmente. Est-ce que vous pensez à ce que je pense? Parce que là, on pourrait bien la faire monter. Ah mais non, on doit le rencontrer, merde. Lui parler. Bonjour. Arrière. Elle ne vient pas attaquer Périclès. Je vous l'assure. Ah, pas pour le moment. Ça va. Laissez-les passer. Heureux de te revoir, Périclès. Ah merde, c'est un ami. Ah, oh, fait chier. Et j'aurais préféré que ce soit en d'autres circonstances. Qui est-ce? Cassandra. Bienvenue, Cassandra. Dis-moi, que t'inspire cette première visite d'Athènes? J'en sais rien. Tu ne dis rien? Non. Si seulement tout le monde comprenait que le silence est aussi une réponse. Une foule est prête à s'emparer de la première solution qu'on lui apporte, comme un chien qui s'empare d'un os. Périclès, nous sommes venus pour... Il faut choisir le bon moment. Ah. Et nous adresser à lui en privé. Très bien. Nous sommes venus pour... une affaire urgente. Comme tous les autres. J'ai laissé entendre à Cassandra que tu l'inviterais à ton banquet. Tu me demandes d'en exclure les Athéniens et d'y inviter une étrangère? Ouais, en plus c'est une Spartiate. J'ai entendu le peuple pourtant. Il ne manque pas de raison de me... Si elle travaille pour toi, les yeux indiscrets la prendront pour une servante. Je ne suis la servante de personne. Cassandra, nous sommes à Athènes. Pour obtenir quelque chose, il faut parfois jouer un rôle. Et que cherches-tu à obtenir au juste? On cherche qui déjà, la mère? Je cherche une femme qui compte beaucoup pour moi. D'après Hérodote, un banquet est parfait pour recueillir des informations. Il a raison. Je peux t'y faire admettre. Mais j'ignore si tu y trouveras les informations que tu cherches. Alors dis-moi ce que je dois faire. Commence par aller voir mon collègue, Métiochos. Il devait me retrouver aujourd'hui et il n'est pas homme à manquer un rendez-vous. D'accord. Et mon ami Phidias doit quitter Athènes le plus vite possible. Bien. Autre chose? Oui. Un vote portant sur un ostracisme pourrait bénéficier de ton influence. Quoi? Qu'est-ce qu'un ostracisme? Ostracisme? Le mot bannissement t'est certainement plus familier. Ah. Ici, à Athènes, on vote pour déterminer laquelle de deux personnes doit partir. Le vote porte sur Anaxagore, le sophiste, et un autre homme. Un procès pour irrévérence. Un agent près de l'Agora te fournira les détails. Ça marche. Je m'en occupe. Je compte sur ta discrétion. Formidable. Il ne t'a pas officiellement invité, mais c'est tout comme.
Enfin, je pense qu'il va quand même consulter Aspasia et demander sa permission. C'est le résultat qui compte. Bon, bah ça va. Tu as fait tout ce que t'as demandé, Périclès. Attends, t'es qui, toi? Qu'est-ce, jeune fille? Ah, c'est lui. Je t'ai vu parler avec Périclès, mon associé. Ce que j'ai vu, l'association est curieuse. Non, ce n'est que de la politique. Périclès est un homme de bien, mais pas celui qu'il nous faut. Ce n'est pas ce que j'ai entendu. De qui? De lui-même? Les hommes politiques sont des menteurs. Périclès a été élu par le peuple. Huh. Je vous ai entendu tous les deux. Pour toi, la vie des gens ne compte pas beaucoup. La politique est un jeu, aux enjeux très élevés. Moi, je joue pour le peuple, et Périclès, lui, pour le pouvoir. Nous voulons tous le pouvoir. C'est ce que nous en faisons qui compte. Certes, mais la faiblesse de notre chef est dangereuse. Notre époque exige de la force. Bon, tu veux quelque chose, ou tu désirais simplement m'entretenir des subtilités de la démocratie? Ouais. Périclès offre des banquets aux riches et aux puissants alors que nous sommes assiégés. Je veux que le peuple reprenne le pouvoir. Tu peux m'y aider. Et vous êtes assiégés? Genre, il y a 3 camps spartiates qui se courent après, et vous sortez, vous les défoncez, et puis voilà. Mes services ne sont pas donnés. Je connais les forces du commerce et les besoins des gens. Je saurais te remercier pour tes services. Mmh. Et quelle aide devrais-je t'apporter? Pas à moi, à Athènes. Les Spartiates hurlent devant nos murs. Va semer le chaos dans leurs rangs, qu'ils souffrent autant que nous. Réfléchis. Vas-tu accepter ma mission et montrer aux Spartiates que nous ne sommes pas encore vaincus? Ça ne me gêne pas de tuer des Spartiates. Oh! Que se passe-t-il? Désolé, le jeu s'est minimisé. C'est la première fois que ça fait ça. Bien. Exécute Nabis, leur chef. Détruis leurs vivres et reviens avec la preuve de tes exploits. Montre-leur que nous avons des dents, nous aussi. Compte sur moi. Crois-moi, c'est une tâche que tu ne regretteras pas. Pour le peuple. Non, mais honnêtement, les Athéniens, va falloir vous pousser des... Hein, au bout d'un moment. Rejoins le domaine de Métiochos, ça c'est le copain. Parler au contact de Périclès. Et rencontrer Phidia dans son atelier. Ouh, un arc. Ouais, mais c'est bleu, c'est nul. Améliorer la lance, on peut pas. Ça c'est les... Cosmos. Ça c'était le fort. Il faut tuer les Spartes. Enfin, il faut récupérer des sceaux. L'arène. L'arène, on pourrait y aller, l'arène. On est 35. Apporter les pots. On s'en fout. Chasser le lion. Pour le peuple, affaiblir l'emprise de Sparte pour l'Attique, dans l'Attique. Un siège est en cours dans l'Attique. Mais t'appelles ça un siège? Ah, je crois qu'on a différentes vues hein, sur comment se passent les sièges. Hein. Dégâts de feu 16%. 4% à tous les dégâts. Ah bah merde alors. Voilà. Ça dure jamais très très longtemps hein, nos équipements, hein, putain, même en or. Hein. Ça dure vraiment pas très longtemps. Du coup, c'est Périclès qui s'occupe de cet endroit, donc ouais, non, on va peut-être pas le tuer.
Alors là, on a un chemin. On y va. Mais ouais, non, il y a quelques camps spartiates au centre, autour. Je suis sûr qu'ils sont nuls en plus, hein. On va les défoncer facilement. Mais enfin, quand même, Athènes a gagné contre Xerxès, donc bon. Je suis sûr qu'ils peuvent défoncer le reste des Spartiates facilement. Mieux vaut éviter de se faire voir. C'est qui ça? Des bandits? Je crois que c'est des bandits en fait. Bon, on va s'amuser. Ouais, non. Si tu dois combattre, combat, parle pas. Ça, c'est un conseil. Nickel. On a fini ici. C'est bien. C'est quoi ça? Ah. Je sais pas ce qu'ils ont dit. Je sais pas. Je parle pas japonais. Faudrait qu'on attende la nuit encore. Faudrait qu'on combatte. Enfin, qu'on joue que en nuit, en fait. Pour, ah, c'est le contact de Périclès, sûrement. Je peux y aller ou pas? Bon. Atelier. Attends, tu peux monter? Là-bas. Ah, attends. Oh là là! Oh mon dieu, putain. Cassandra, t'as des fois, hein, Cassandra. Tu. Hein? Voilà. Pardon, désolé. Comment as-tu fait pour entrer? Le garde ne laisse passer personne. Du calme. Pardon? C'est Périclès qui m'envoie. Oh, loué soit Athéna. Je savais qu'il m'enverrait de l'aide. J'ai eu peur qu'on t'ait envoyé me tuer. Te tuer? Je suis là pour te faire quitter, Athènes. Ah. Alors, oui, oui. Il sait pour le complot. Tu parles du procès? D'après ce que j'ai vu, tu n'as aucune chance. Oh, le peuple m'adore. Je suis Phidias. Mais il y a autre chose, regarde. Malaka. Oh putain, Malaka. Ce n'est pas du procès que Périclès veut te protéger. Ce sont des instructions pour te tuer. Qui a écrit ça? Je ne sais plus à qui me fier. Je ne suis qu'un artiste. Tout ce que je veux, c'est créer. Dis-moi ce que je dois faire. Avant tout, il faut que tu te ressaisisses. Tu vas être jugé, la population est contre toi. Et voilà que j'apprends que le culte veut ta mort. Le culte? Je ne t'ai pas dit de te ressaisir. Si, si, où ai-je la tête? Le culte. Allez, go. Très bien, let's go. Il faut partir. J'ai envie d'action. Faut-il moi. Que je te conduise d'après toi? J'ai pas envie de parler. Il y a au sud d'Athènes une île appelée Siriphos, où habite mon ami Terras. Quand j'ai eu vent de ce complot contre moi, je lui ai fait passer un message. Si quelqu'un peut nous aider, c'est lui. Bien.
S'il a des indices sur l'identité des adeptes, tant mieux. Oui, tout peut être utile. Un garde! Je vais le distraire pendant que tu t'éclipses. Retrouve-moi ce soir, nous partirons pour Serifos. Attends de me voir sur les quais pour te montrer. Très bien, j'ai compris. Tu ne croyais quand même pas que j'allais te laisser tranquille comme ça, non? Bon alors, tu es où? Je suis là. Ah, l'autre il est mort. Est-ce qu'il fallait faire ça pour les distraire? Genre distraire, distraire ça veut dire tuer, on est d'accord? Ah, il y a plein d'endroits de ce côté là-bas. Attends, ça a l'air d'être loin où tu me dis de le rejoindre. Ouais, non mais c'est sur une autre partie en fait. C'est le port. Ouais, on verra ça après. Hein. D'abord moi je veux m'amuser. Le domaine de Metiokos, et après on a tout ça à faire. Et là on a quoi? Le contact de Périclès, ok. Ça. Il y a plein de choses à faire. C'est beaucoup plus calme hein, sans les mercenaires. C'est limite triste. Putain, par où on passe? Ok, j'arrive, Indiana Jones. J'arrive, Indiana Jones. Ils vont me tuer, quoi. Loué soit le dieu qui t'envoie. Sans toi, il m'aurait dévoré vivant. Je ne pense pas qu'il puisse te manger. Mais il m'aurait tué à coup sûr. Alors merci. Alors, tu m'es redevable. Mes services ne sont jamais gratuits. Bien sûr. C'est Périclès qui m'a envoyé. Il s'inquiétait pour toi. Tu te retrouves souvent ligoté et entouré de serpents? Comment peux-tu plaisanter? Des bandits sont entrés chez moi. Ils m'ont traîné ici. Et ligoté, avant de lâcher ces infâmes créatures. Il faut les arrêter. Les serpents? Non, les bandits! Où puis-je les trouver? Je n'ai pas vu leur visage, mais j'ai reconnu leur voix. Ils viennent d'un quartier où je suis allé. Ce sont des habitués des réunions de Cléon. Ils vivent dans la partie inondée de la ville, près de la muraille. Ah, ça doit être au port. Je vais les trouver, Metiokos. Ne t'en fais pas. Les tensions sont vives dans la ville. Si ça continue, nous allons nous entretuer avant que les Spartiates ne franchissent les murs. Oui, j'ai remarqué que vous étiez pas très doué pour ça. Allez, on va voir ce qu'il y a. Si on faisait ça. Genre, on s'assoit en plein milieu de la route et on attend que le temps passe. Ça, c'est bien, ça. C'est pas mal. Voilà. C'est très normal. Le comportement complètement normal d'une personne. Ah non, c'est pas... Je doute que cette partie d'Athènes fasse la fierté de Périclès. Il doit bien y avoir un indice quelque part. Ouais, peut-être des serpents, putain de merde. Des serpents, semblables à ceux qui devaient tuer Metiokos. Apparemment, les bandits qui ont attaqué Metiokos n'ont pas imaginé leur plan tout seul. Le moment est venu de frapper, cela fait trop longtemps que Metiokos, l'ami corrompu de Périclès, opprime les pauvres, prend ses serpents. Tu sais ce qu'il faut faire, Metiokos ne serait que le premier, rappelle-toi les paroles de Cléon, puisse-t-elle tous nous guider vers la grandeur.
Des morsures de serpent. Et quelqu'un a caché le corps. Mais je pense que cette mort était un accident. Ce doit être la maison de ceux qui ont attaqué Métiokos. Mais ce message montre que l'idée venait de quelqu'un d'autre. Qui ? Qu'est-ce que tu fouines autour de ma maison ? Vous avez attaqué Métiokos. J'ai trouvé les serpents, la lettre de votre ami et un corps. Ici. Oh, pauvre Actis. On connaissait tous les risques. Il faut souvent verser un peu de sang pour changer les choses. D'où viennent ces serpents ? Je sais que quelqu'un vous a donné ces serpents et qu'il s'est servi de vous. Alors je veux savoir qui c'est. C'est un vrai héros athénien. Aucun des sbires de Périclès ne peut l'arrêter. Dis-moi ce que je veux savoir ou je vous tue. C'est aussi simple que ça. Vous et votre cause, on n'en parlera plus. D'accord, d'accord. Voilà. Il a un campement à l'extérieur des murs. C'est là qu'il vend ses serpents. Rappelez-vous, la violence n'est pas la solution. Ah merde, je me suis bourré. Putain, la violence n'est pas une solution, c'est la solution. Maintenant, ça fait un peu con. Vous êtes allé trop loin. Et vous allez devoir le payer. Tu crois qu'on va se rendre à quelqu'un comme toi ? On redonnera sa grandeur à Athènes. Vas-y, vas-y, redonne ta grandeur. D'une manière ou d'une autre, on chassera ces vendus. Tu dois débarrasser Athènes de ce vendeur de serpents. Cours ! Cours ! C'est bon, les autres sont partis aussi ? Je dois me montrer prudent. Les autres sont partis, ça. Ah, je lui ai dit de courir, hein. J'ai pas voulu courir, mec. Ah, les poissons, je peux pas les bouger. Alors attends, tu m'as dit qu'il y avait un camp en dehors d'Athènes. C'est pas très loin, ça va. Parce que moi, je veux rester à... dans la ville d'Athènes et... continuer. Port du Pirée. Putain, il y a des serpents partout. Ouais, c'est un peu normal aussi. L'empoisonneur, ouais, comme nom. Ce que je pensais, il y a des attaques de poison, lol. Il y a des poisons par... il y a des serpents partout aussi. Oh mon dieu. Très bien. Ah, la vache. Sa mort devrait sauver la vie des amis de Périclès. Ouh. Dague empoisonné. J'imagine ça fait du poison. Lolilol. On va voir alors. Ah non, même pas. Oui, dégâts de poison, mais... Adrénaline par crit, dégâts de poison. Gagnerait un peu d'at... Et non, encore face. Non, ça baisse surtout. Non. Ah non, elle est trop puissante en fait, cette épée. Elle a trop des bonnes stats où il faut en fait, genre dégâts à l'épée, des guerriers, dégâts de feu. On va vite regarder s'il n'y a pas autre chose. Non, on peut se casser. Cassos.
Il était sympa, votre héros. J'aime bien Athènes. C'est marrant. C'est juste bête qu'il n'y a pas autre chose à faire. Enfin, plus de choses à faire. Genre un peu à la Red Dead Redemption 2. Genre, je sais pas, il y avait des jeux de cartes. Il y avait plein de trucs, en fait. Là, je sais pas, il n'y a pas des jeux, des trucs. On peut pas passer par la porte, sans déconner. À chaque fois, il faut que je grimpe. C'est ouf, quoi. La situation a l'air meilleure qu'à notre dernière rencontre. Le danger est écarté pour l'instant. Mais tant que ces monstres seront là, personne ne sera en sûreté. Non, mais on a tué tout le monde. Tu as été ligoté par un groupe de pêcheurs, eux-mêmes manipulés par un vendeur de serpents qui travaille pour les ennemis d'Athènes. Qu'est-ce que tu as fait d'eux ? J'ai fait ce que réclamaient les dieux. Justice. Ce châtiment paraît équitable. Même si cela me désole de voir les fils et les filles d'Athènes s'entre-déchirer. Ils ont voulu te tuer, Métiochos. Si je n'étais pas arrivé à temps, ils auraient réussi. Merci de ton aide, Mystios. Je n'oublierai pas d'en parler à Périclès. Il mange un peu, quand même. Merci de ton aide. Tu es un peu maigre. Un petit cheeseburger de temps en temps, c'est pas mal. Et puis ça remonte le moral. Alors... Ok, droit devant. Alors j'avoue qu'on fait moins d'assassinats de Panathénès, l'historique du bateau. J'avoue qu'on fait un peu moins, comment dire, genre silencieux. Parce que, bah ouais, faut être honnête, c'est fun en fait d'avoir une prime au-dessus de la tête. Bon après, si un mec genre niveau 50 se pointe et il nous met une flèche et on meurt, c'est un peu con. Quoi. Je t'assure, tout le monde le dit, le commandant n'a jamais été battu. On dit que peu importe allez, qui commande ou pas, il suffit de rester près de lui pour s'en sortir. Ouais, c'est ça, ouais. Je suis prêt à le croire. À la prochaine bataille. C'est ça la prison, ça marche. Alors attends, j'ai envie de tester un truc, je vais peut-être le regretter. On est à 139. Prépare-toi. Ok. On ne veut pas de toi ici, mercenaire. Dégage. 139. Et fais voir de tuer des gens, genre devant. De tuer des soldats devant des gens. Ah, 244 quand même. Non, ça va, c'est pas... C'est pas rien. J'arrive pas à le voir. Je voulais me téléporter sur lui, mais non, ça veut pas. Qu'est-ce qu'il veut, lui, là ? Débile. Je voulais changer de... J'ai du mal à... À
à changer, de avoir le réflexe de faire ça. J'ai vraiment du mal. C'est pour ça que ça m'embête d'avoir autant de skills. Je savais que j'allais avoir un problème avec ça. Bon, ça c'est fait. Vous avez personne en prison, les mecs, quand même. C'est, hein, vous abusez. Hein. Alors, là on a... Là on a, je sais pas en fait. Pousse-toi. Non. Tu dois être l'envoyé de Périclès. Oui. Oui, c'est moi. Il m'a parlé d'un vote d'ostracisme. Mais il ne m'a pas dit ce que je devais faire. C'est normal. Tuer tout le monde. C'est pour ça que je suis là. Alors, dis-moi ce que je dois faire. Alors, quel est mon rôle? Les gens ont déjà voté. On ne va pas tarder à compter les voix. Prends les ostracas qui sont dans ce sac et échange-les contre ceux qui sont sous bonne garde. Tu veux que je manipule ce vote? Périclès le souhaite, oui. Et il a sûrement ses raisons. Apporte-moi le sac qui se trouve dans la salle et je m'occuperai du reste. Personne ne me verra entrer ni ressortir. Reste ici. Ouais, alors attends. Je sais pas si je peux vraiment être discret en fait. Donc... Ah, mais c'est méga loin en fait ton truc, d'accord. Le nom des héros est éponyme. Je pensais que c'était devant, mais en fait non, d'accord. Des marchandises de tout le monde grec. Oh, difficile d'imaginer que la cité est assiégée par une armée de Spartiates. Ouais. Difficile de s'imaginer qu'il suffit juste de monter un petit groupe d'hommes et de sortir et de défoncer tout le monde. Bâtiment de logisme. Si on tue tout le monde, est-ce que ça fait comme si on s'était pas fait... D'accord. Voilà, comme... On est discret comme ça. Est-ce qu'on est discret? Pour moi, on l'est, mais bon. Très bien. Y a pas de mission où il faut être complètement invisible, genre il faut complètement passer inaperçu. Y a pas ça. C'est marrant qu'il n'y ait pas ça dans un jeu qui s'appelle Assassin's Creed. Là-dessus. J'ai des quêtes. Il y a un feu. Tout le monde s'en branle. Très bien. C'est pas des escaliers, merde. Ça devrait faire l'affaire.
Tu dois prévenir l'agent de Périclès. Mais ça fait pas tâche, genre... les gens vont venir là, ils voient plein de morts et que ça a été changé, là. Est-ce que ça fait pas un peu bizarre, non? Ils s'en branlent à Athènes. Ils sont bizarres, les gens, ici. Alors, c'est bête, hein, qu'il n'y ait vraiment pas de mission discrète, en fait. Ça n'existe pas dans le jeu. C'est pas un Hitman. C'est pas un Metal Gear Solid. Très étrange. C'est fait. Tu travailles vite. Et qu'est-ce que tu comptes en faire? Les jeter dans un puits. Ah, on dirait que le magistrat est arrivé. Pardon pour ce retard. Il a été établi que quelqu'un avait tenté de manipuler ce vote. Pas d'inquiétude. Tous les ostracas sont là. Les voix ont été comptées. Oh. Anaxagore sera ostracisé. Oh. Bah on a fail ou quoi? Non? L'amitié doit naître lentement. Mais une fois présente, elle doit rester constante. La vie me sera plus difficile maintenant qu'Anaxagore doit quitter Athènes. Nous étions proches, mais il l'était plus encore de Périclès. C'est étrange qu'il ne soit pas venu le défendre. Qui es-tu? Demande à quiconque et on te répondra Socrate. Mais un nom ne signifie rien. Socrate. Ce sont nos actes qui nous définissent. Et chaque action a sa récompense et son prix. Ceci étant dit, toi, qui penses-tu être? Je connais bien le prix des actes. Il le faut, je suis une mercenaire. Cette simple information m'en dit plus sur toi que ton nom ne le fera jamais. Il est essentiel de pouvoir se décrire avec soin. Oui, mais me décrire me prendrait beaucoup trop de temps. Alors limitons-nous à un seul événement récent. Dis-moi, en tant que mercenaire, refuses-tu de faire certaines choses? Ah, il va pas nous bassiner avec la philosophie morale, hein, Socrate, non mais oh. On paie bien, je suis prêt à tout, chacun une ligne qui refuse de franchir. Non, non, l'argent, tant que tu payes, c'est bon. Toute chose a un prix. Et c'est toi qui décides si le prix est le bon. Je ne peux pas me permettre de refuser un travail. Mais le devoir, le bien de tous, ne sont-ils pas des récompenses en soi? Rien à foutre. Non, c'est faux. Tu as l'air de bien te connaître. Mais sache qu'il vaut mieux changer d'idée que d'en garder de mauvaises. Mes idées me conviennent. Tu es visiblement prête à faire ce que tu estimes nécessaire, pour de l'argent ou à des fins plus personnelles. Oui, c'est le cas de beaucoup de gens. Et j'avoue me demander ce qui t'a poussé à agir, c'est humain. C'est à cause de toi que mon ami va devoir quitter le seul foyer qu'il ait jamais connu. Quoi ? Quoi? Attends, mais je comprends rien à ce qui se passe là. Donc on a merdé? Ou pas? Ça devrait pas me dire genre mission fail ou je sais pas quoi? Tu ne t'adresses pas à la bonne personne. Ah, tu dis ne pas être la bonne personne. Mais y a-t-il un plus grand bonheur que se connaître soi-même? Écoute, même si je savais qui a manipulé le vote, je ne te le dirais pas. Mais je n'ai jamais parlé d'une quelconque manipulation. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est conne, Cassandra. Socrate, tu es là. Oui, je suis là. Tu es en retard. Ils t'attendent tous. Je souhaitais connaître le sort d'Anaxagore. Voilà qui est fait. Dis-leur que j'arrive. Eh bien, voilà qui met fin à notre conversation. Mais j'ose espérer que nous en aurons d'autres. Va savoir. Ah, il y a Socrate qui flirte avec nous, quoi, c'est ouf. Donc du coup, c'est... Mais c'est terminé, genre... On aurait pu avoir une autre quête ou pas? Enfin, une autre... comment dire... fin? Ou pas?
Parce que moi, ça paraissait comme quoi... ça nous dit pas, genre, mission... on s'est fait voir, mission échouée ou quoi que ce soit. Donc bon, je sais pas. J'ai même envie de... Honnêtement, j'ai envie de recharger pour tester. Mais je vais être honnête, je pense pas que ça va changer quoi que ce soit. Ça m'étonnerait. En tout cas, si vous le savez, dites-moi, mais... Honnêtement, je serais super surpris. Je sais que je serais extrêmement surpris si ça vraiment il y a une autre fin à cette histoire en fait. Qu'est-ce qu'il y a tu... Regarde, je suis dans la foule comme les anciens Assassin's Creed. Alors, tu peux pas me trouver. Ouais, je fais un peu tâche avec mon armure, mais... Alors, comme les anciens Assassin's Creed. Je sais pas où tu vas, mais... Ouais, on va regarder la carte. Ok, prochain lieu, c'est là. Est-ce que le cheval va nous rattraper? Bien. Non, mais on a tué tout le monde déjà. Vu qu'on est limité par la vitesse en cheval dans les villes, honnêtement, je me demande si ça sert à quelque chose. Ouh, que c'est grand! Ah non, c'est deux endroits, ok, ça marche. J'ai rien dit. Qui c'est qui a gueulé? C'est parti. Fais pas attention à moi, on vient d'arriver. Tout le monde s'en fout. Magnifique. Ah, par contre, ça, voler, ça, ils aiment pas. Le meurtre, ça passe. Mais voler, non. Voler, ça passe pas. Ah, Olive's poste personnel, objet de quête. On va dire bonjour à notre ami. Juste là, mec.
Très bien. T'es qui, toi? Fille de Nyx. Bien les bombes, elle. Très bien. Faut qu'on la rende inconsciente pour qu'on regarde si elle est bonne ou pas. Wow, elle se soigne comme ça, d'accord. Ouais, j'arrive. Si on lui mettait un peu de poison. Il y a un autre mec juste là. Putain de merde. C'est con. C'est con. Avec elle à être mieux, hein. Comme d'habitude. Hein. Tu veux qu'on se batte? Tu veux te battre? Vas-y, viens, viens, je te batte. On va lui faire bonjour. Bonjour. Jolie ton épée, dis-moi. Oh la vache. Merde. Cours, Cassandra, cours, putain, qu'est-ce que t'es lente. Ah, les vaches. Non, par contre, là, on a défoncé des gardes, là. Pardon. Je crois que là on a fait un peu n'importe quoi là par contre. Je crois que là on a fait légèrement n'importe quoi. En fait il a pas aimé que je monte sur sa tente à l'autre. Donc c'est quoi ça cet ossuaire de pierre? Ça va avoir beaucoup servi. Ah il a vraiment pas aimé qu'on monte sur sa tente. Et on est à la moitié du niveau 35. Cool.
fille de Nyx. Alors maintenant on va... non, il faut regarder la carte parce que maintenant on voit des points en fait mais qui sont par à l'extérieur. Alors ça c'est encore à l'intérieur. J'aime bien parce que la puissance elle baisse pas, j'ai remarqué. J'ai remarqué ça aussi la dernière fois. Ah putain, je pouvais le... J'avoue que le coup de pied spartan me manque un tout petit peu. Je ne te laisserai pas filer. Ouh. Ouh. Je veux voir un peu ça. Ça vaut la peine de tuer plein de gens. Ouh, dégâts épais, chasseur, guerrier. Ce qui est embêtant, c'est qu'on va passer à la dague bientôt. On va voir un peu la tête, quand même. Ouais. Bah, on repassera à l'autre casque. Mais là, pour le moment, on est à 5000 d'attaque à la dague. L'épée, là. C'est pas mal. Mais attends, là, je suis en train quand même de tuer des soldats, genre, juste qui passent, quoi. Je dois être recherché comme un fou, on est d'accord. Ah et voilà, je préfère 1200. Non, attends, on va sauvegarder. Après, un truc intéressant qu'ils ont fait dans le jeu, c'est que on a les dégâts guerriers, on a les dégâts assassins. Ce que j'étais en train de me dire des fois, dans ma tête, je me dis... Tiens, on a d'autres... Je me dis, si on augmente notre arme, on va faire plus de dégâts et tout ça en assassin. Mais en fait, non. C'est ça qui est un peu étrange, en fait. C'est que... Non, ça va pas marcher. Cet endroit sera en alerte. C'est pas parce qu'on a une bonne arme que... On va faire plus de dégâts si on assassine. Putain, ça met 3 ans à s'afficher. Quoi. Sérieux là? Ouais, casse-toi. Très bien. Je crois qu'on peut sortir maintenant. Ah non, j'ai rien dit. Il reste encore un endroit. Eh, c'est toi qui me cherchais les crosses, non? T'as de la chance. Enfin, non, à pied, ça va plus vite, j'ai l'impression. Ah, mais c'est bon, reste loin, Phobos.
Ah, les serpents, quoi, sur, autour de la statue, c'est stylé. Avance. Très bien. Il est joli ce casque. Ça va, il est marrant. Ça lui fait mal, ça. Qu'est-ce qu'elle est forte. On y est presque. Je pense qu'ils doivent être normalement dans les niveaux 30. Là, ils sont juste à notre niveau, en fait, donc on va pas avoir trop de difficultés. Ça aussi, c'est un truc intéressant, c'est que les endroits, en fait, ont différents niveaux. Mais si c'est en dessous de notre niveau actuel, du coup, ils sont, tous les ennemis sont menés à notre niveau. Donc ça, je trouve ça vraiment sympa. Je trouve ça extrêmement sympa, ça, d'avoir fait le jeu comme ça. J'avais mis quoi là? Dégâts et soldats spartiates, non on a quoi? Brûlure, dégâts, guerrier, fais voir. Enfin les soldats spartiates, on va pendant combat pas des masses, j'ai envie de dire. Par contre on va remettre. Au revoir. Ouais, au revoir. On va remettre l'ancien casque, je vais oublier de le changer. Et quand on va... Merde, qu'est-ce qu'elle fait? Passer aux dagues, ça va être la merde. Mais là... Si on me voit ici, j'aurai des ennuis. Et oui, je sais. Très bien. Grèce attique. Va au théâtre d'Athènes. Grâce à l'amélioration, j'assiste toujours aux pièces depuis les coulisses. Tu me retrouves sur une... sur un masque d'acteur. Parfait. Nickel. Maintenant, on peut sortir d'Athènes, ça y est. Il y a un machin qui vient nous chercher. Oh, putain. Il y a machin 1 et machin 2. Pour la prime. Tu ne pourras pas échapper à cette règle au plan combat de l'ONS. Fais chier le chien. Je tiens.
Nickel. Putain, il a un loup. Monte. Oh mon dieu, elle fait nawak. Elle fait nawak parce qu'elle est restée lockée sur les trucs. Bordel, le lock, des fois, il déloque pas. Une catastrophe. Oh putain de merde. Je suis bloqué. On est vraiment dans un endroit de merde. Hein. C'est fini. Ouf. Ah, là, c'est fun ça. Alors, on a eu des épées, on a eu une lame lourde. Dégâts soldats athéniens. Marrant. Il n'y a rien eu d'autre. Ah oui. Très bien. Bah du coup, on va regarder où est-ce qu'on peut aller. Donc, Athènes est fait. Athènes est fait. On pourrait... Plage de sable de Phalère. Bah c'est juste devant nous, pourquoi pas se balader. Pourquoi pas se balader. Donc on va faire un peu le tour de la Grande Athènes et regarder les camps et tout ça. On a un fort aussi où il faut tuer tout plein de Spartans. Spartiates. Allez, donc, ouais, on va faire tout ça. Encore une fois, je pense pas qu'on va être très très discret. Hein, parce que c'est fun, honnêtement, de combattre. J'aime bien le gameplay. Ah, c'est une petite ville quoi. Bon bah pas de massacre ici. Avance. Pas de massacre ici, au revoir. Bah, j'écrase même pas vos vignes. Je suis tellement gentil. Ça. Ouh, ça c'est spartiate ça. Temple incendié d'Héra. Non mais c'est juste des gros barbares les... Oh! C'est juste des gros barbares les... Ah mais merde, attends, mais c'est pas des spartiates ça. Marrant comme gameplay. D'appuyer sur une touche comme ça. est-ce que tu aimes les bateaux?
cherche des marins. Ah, et je te paierai comme personne ne t'a jamais payé. Par contre, faut que je refasse des flèches. Parce que... Non, c'est pas ça, c'est ça. 15, très bien. Là, elle, elle est classe. Dégâts de javelot, dégâts infligés par les lieutenants. Oh, ça c'est bien. Transport remplissage de segment potentiel incendiaire après abordage. Ouh, attends, toi t'es bien, toi. Et en plus, elle est. C'est la première qu'on a comme ça. Alors lui, il est bourrin, lui, je l'aime bien. Lui. Ouais, dégâts infligés par les lieutenants. Ouais, ça c'est bien. Dégâts de javelot, flash de précaution après le navire brisé. À la limite, on peut faire celui-là. Je vais voir, ils font quoi les autres. Les navires coulés. Abordage. Ouais, on peut faire ça. Bon, après en combat, elle avait pas l'air. Enfin, bref, on verra. Très bien. Donc ça, c'est juste des barbares, en fait, qui se baladent. C'est bien. Alors après, on a... Ah non, on a un truc dans l'eau. Fait chier. Waouh. Pas mal. Icaros veut être utile, on dirait. Port englouti de falaise. Attends, mais c'est méga loin, non? Ah, peut-être pas, c'est juste là. Ah putain, c'est juste là, mais il y a des requins. Bordel de merde. Waouh! Il y a un mégalodon, quoi. Il y a Flipper aussi. Ça a l'air un peu profond quand même. Ouais, non, mais j'ai vraiment pas envie. Ça m'emmerde quand même. À la limite, il y a juste un seul requin. Le gros a l'air de rester loin. Mais par contre, je voudrais bien un bateau, en fait. Là, ok. On va prendre une barque, quand même. Parce que si jamais ça se passe mal, genre de nager jusqu'à la... La plage, ça va être la galère. Pardon, mais bon. Je crois qu'il est mort, je crois qu'il est mort. Mais il est mort. Oh mon dieu, ce massacre quoi. Les pêcheurs, on emprunte ça. On le ramène. Promis. Oh mon dieu. Non, 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 non. Je vais plus loin. Oh là là. Bah, bravo. C'est pour ça que je voulais passer sur le côté gauche du bateau. Et en fait, elle est...
parti du coup sur la droite. Non mais laisse tomber, jamais on le touche. Voilà. Bon, bon, on le ramènera pas. Désolé. Quelle merde. Je déteste ça. On n'a pas fait ça. M'embête de laisser un coffre comme ça. Mais bon. Port civil du Pirée. On m'attaquera sans poser de questions. Mieux vaut se faire distraire. Ah! Ok. Il est pas mort là. Non, non, il est vraiment pas mort. C'est bien de te relever à temps. Faire gaffe quand même. Qu'est-ce que j'ai à me prendre 50 000 dégâts là? Oh la vache. Non! J'ai vu la putain de flèche arriver et je crois que là, enfin là, la truc d'Hadès, le bœuf d'Arès, il s'est arrêté genre une seconde avant la flèche. Oh mais quelle merde incroyable! Ah putain. Allez, monte, casse-couille. Ah, quelle merde incroyable, quoi. Je suis déçu. Bon, on va retenter le bateau du coup. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Une baleine. Je crois que la baleine, elle s'est un tout petit peu perdue.
c'est pas une baleine par contre. Waouh, j'ai bougé au dernier moment. Ça va, il est loin, on risque rien. On risque rien, lol. On a des Athéniens sur le bateau. Oh, ça, putain, je peux pas sauvegarder. Le hoplite constituait l'épine dorsale des forces terrestres athéniennes, mais la véritable puissance militaire de la ville était sa marine. Ça, c'est vrai, ça. Cool. Cool. Ah, j'avoue, ça vaut le coup, ça. Bon, bah voilà, hein. Un bien pour un mal, hein, le fait d'être mort. Ça va être marrant qu'on va leur faire combattre des bateaux athéniens. Et il va être content, les mecs, hein. Oh, la vache. Ils vont être contents. Bon, on retourne vers la... vers le temple, là où on doit récupérer la synchronisation, enfin faire la synchronisation. Par contre, du coup, c'est quoi ce qu'on est allé où là? Ah, on est allé là. D'accord. Ah ouais, non, mais il y a plein de mecs partout en fait. Ça marche. C'est méga grand. Méga grand. Quoi ça ? N'approche pas plus ! Oh la putain de jeu de merde. Je vais t'enterrer. Faut vraiment que j'arrête de... d'essayer de faire l'assassinat critique, hein. Quand on se fait voir. Yes, on l'a... Oh, je l'ai eu. Si, si, je peux. Je peux... Voilà. Chier l'autre marché là. Oh.
Allez, saute. Quand je déloque comme ça, saute. Oh la vache, la flèche. Range ton arc et cours. Ah non, t'es nul. Alors, toi, non. Si, toi, si. C'est lequel qu'il faut prendre? C'est le 36, c'est... C'est ta merde, à chaque fois je fais la même erreur. C'est Théo. Ça va les bombes? Ah merde, je crois que je tirais en arrière, trop en arrière. Ouais. Putain de merde. Oh. Tu te bats comme une étoile. Oh professeur, si tu crois échapper comme ça. Tu te bats comme une étoile de merde. De mer, pardon. Pardon. De mer, étoile de mer. Dégâts, attaque surpuissante, probabilité de critique, c'est pas mal. Ah, tu m'as vu. Un peu les dégâts ou pas? Genre, ta barre, elle bouge pas, quoi. Ah ouais? Il m'a fait louper ce con. Un peu le combat débile, mais c'est de ta faute. Accepte mon argent et travaille pour moi. C'est un peu de ta faute. Mais ouais, tu peux pas monter aussi haut que moi dans les... Dans les comment ça s'appelle? Je n'ai pas intérêt à ce qu'on les immeubles. Et c'est reparti.
Je crois qu'on a tué quasiment tout le monde, honnêtement. Vu le bordel qu'on a foutu. Ah, les mecs peuvent faire mal quand même. Des fois, on a des petites surprises. Je sais même pas si ça sert. Oh, oui, non, si ça sert. J'allais dire, ça sert à quoi si ça baisse pas, mais si ça sert. Bah, déjà, j'ai l'impression que ça baisse en fait maintenant. Bizarre, ça baissait pas avant. Ah, c'est parce qu'on n'est pas dans la grande Athènes. Si. Ouais, c'est pas. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Ah, voilà, c'est ça que je vais faire. Ce que je voulais dire, c'est qu'on en a besoin pour finir les lieux et gagner l'expérience. Donc, peu importe en fait. Ouh, 10 flèches toxiques, pas mal. Temple d'Asclépios. Faut pas lui donner de l'argent, elle. Genre, on est riche. On est tellement riche. Je suis sûr qu'on peut se payer genre deux bateaux. Quoi. Ouh. Joli saut, madame. Nickel. Joli saut aussi. Très bien, qu'est-ce qu'on peut faire avant que ça finisse? On a là, là... Oh, on n'a qu'à faire ça. On n'est pas loin de la quête, mais... non, oui, on peut faire après la quête. Enfin, peut-être pas dans cet épisode, dans le prochain, mais... Atelier. Presque niveau 36. Ah, merde. Ouais, faut éviter qu'on me voit. Est-ce que lui il est bon pour... Non. C'est pas ça que je vais faire. C'est ça que je vais faire. Ow.
Putain. Allez, enchaîne-les. Elle est trop lente. En fait. Je voulais pas bouger, je voulais pas esquiver parce que je me suis dit elle va. Elle va pouvoir enchaîner les grosses attaques. Oh la vache, le massacre. Ah, oh, sale pute. Font chier les civils. Hein. Putain de merde. On est bon, on est en dehors. Très bien, hop. Tout le monde doit mourir. Très bien lâche, très fun. Très très fun quand il y a beaucoup de cibles. Malaka. Putain, ce mouvement de merde. Je parle pas trop parce que je suis un peu concentré, ce qui me fait un peu peur lui en fait. Il a plein d'attaques comme ça là, trop relou. Voilà, très bien. Il faisait un tout petit peu peur, le monsieur. Alors... Je fais comme ça sur le toit. Ça me permet de voir ce qu'il y a à l'intérieur du bâtiment, j'imagine. Oh, il y en a un nouveau. Ellie et... Ilos, le chacal. C'est là-bas le coffre. Bien. Le saut était bien précis là. Très bien. Pas bien passer 36 pour pouvoir tester ces dagues là. Mais bon, je crois que ça va être dans le prochain épisode. Pardon.
C'est combien? C'est un coup? Ok. Il y a des mecs comme ça qui... On peut pas les faire tomber. Oh putain, il m'a fait peur ce coup. Qu'est-ce qu'il est rapide avec ses attaques? Putain, il veut pas, hein. Non, tu te trompes l'oiseau là. Non, là ça va être... Non, c'est trop dangereux une grosse arme avec deux mecs comme ça. La ruse va l'emporter. Ok, toi aussi tu peux mourir. Il devrait mourir. Oh la vache! J'aime bien comme elle maintient sa lance. Elle se protège et tout bien, elle. La lance par-dessus, en fait, le bouclier. J'arrive pas à bloquer apparemment. Mais putain, mais pars, qu'est-ce qui t'arrive? Moi, tu m'as gavé. Oui, ça va, c'est bon. Il y en a beaucoup après nous, on sait. Eh ben putain. Toujours pas 36. Ouais, mais on gagne quasiment rien en expérience quand on combat des autres. Pas très très étonnant. Là aussi c'est un lieu interdit, j'imagine. Pas attention à moi. Ah merde, on peut pas passer par la fenêtre. À la limite, la seule chose que j'aurais à reprocher dans le combat, c'est que... Bon, il n'y a pas de sprint. À la limite, ça passe encore. C'est
pas extrêmement grave. Mais je crois que le pire, c'est le désengagement, en fait, des combats. Il est extrêmement lent dans les mouvements. Faudrait qu'il y ait en fait, un sprint, honnêtement, on résoudrait beaucoup les problèmes. Mais en gros, je crois qu'il nous, plus ou moins, il nous force à débloquer une habilité, et c'est ça. C'est ce truc-là. Je crois qu'il nous force plus ou moins à faire ça. Parce que des fois je déloque et des fois elle veut rester loquée. Puis au lieu de partir, elle tâtonne, elle est lente dans ses déplacements et tout. Donc ouais, je pense qu'il nous force à utiliser, à vouloir utiliser cette habilité. Mais on va la prendre de toute façon à un moment. Peut-être le prochain niveau on la prendra. On la teste un peu. Par contre, le problème qui m'embête, c'est... je la mets sur quoi, en fait ? La garde sera vigilante ici. Le bouclier, peut-être. Je l'enlève. Parce que c'est une habilité, en fait, qu'il nous faut absolument. Genre, à n'importe quel moment. Donc, du coup... ça va être compliqué de pas la mettre, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Vu que le combat peut partir en problème très vite, quoi. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre là ou il va... Non, il monte pas. Quelqu'un nous tire dessus. Oh, chier les chiens. Ah mais attends, on a deux légendaires. T'as raison. Perspicace. Cadeau. Je voulais en fait viser, mais j'ai fait ça à la place. T'as pas pris en compte la visée, du coup ça a fait le boom. Oh, tu vas où toi? Oui, c'est bon. Toujours un chien avec eux. Putain de merde. Ah les touches hein, qui apparaissent, qui apparaissent et disparaissent tout le temps là. Oh là là, qu'est-ce que c'est relou ça. Quand t'as une touche qui fait trop d'action, ça c'est... Ah, c'est une catastrophe. Hein. C'est une catastrophe. Là, il y avait le chien qui bougeait, il y avait le mec, je pouvais assassiner le chien, je pouvais assassiner le mec. Genre le temps que je... Vous savez, je reste appuyé sur la touche pour faire assassin critique, là. Assassinat critique.
Il y a le chien qui bouge un peu, du coup ça passe sur le chien. Oh là là, catastrophe. Là j'avoue que c'était vraiment relou. C'est, voilà, c'est ça les petits problèmes de gameplay, c'est ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il monte, il descend. J'aimerais bien le faire tomber. D'accord. Waouh, trop bien. Mais ramène-toi là. Waouh, pas mal. Non. T'es obligé de tomber aussi bas. Oh. On va peut-être mieux maintenant. C'est... Nous on avait quoi? Nous on avait aussi une hache. 12 guerriers, dégâts de feu. Ok. Dégâts de feu. On perd un peu sur les dégâts athéniens par contre. Si quelqu'un m'entend, au secours! Je suis juste devant toi, t'as pas besoin de... Je désespérais de sortir d'ici. Pas besoin de... Oh, merci de m'avoir sauvé. Y'a des gens à sauver sur la plage ou pas? Non. Ça me fait un peu chier de perdre 14% de dégâts sur les Athéniens quand même. Non, 16% même. 16% et on gagne 16 en dégâts de feu. Je sais pas. Ah, mais on perd en assassin, mais on gagne en guerrier. Non, c'est mieux. Ouais, non, c'est mieux celle-là. Là. Bon, on va s'arrêter là. Bon, c'était un épisode un peu étrange. On a fait beaucoup de combats et de massacres. On roule un peu sur tout le monde. Merci. On roule un peu sur tout le monde. Il y a beaucoup de mercenaires qui viennent. Mais c'est drôle, honnêtement. Très bien. C'est assez drôle de faire ça. Je vais regarder un peu les autres équipements qu'on a, mais je crois qu'on a rien de... Ah, on est presque 36. Non, ça, c'est bête. À 36, on va changer pour les dagues. Donc ce sont des dagues de poison avec des dégâts de poison augmentés. Donc elles vont toujours faire poison du coup. Pour toujours faire poison. Ça va faire mal. En tout cas j'espère. Ouais, non mais il n'y a rien d'intéressant. Il faudrait une armure violette. Parce que la 30 là elle commence à être un peu dépassée. On a récupéré ça, après nous vire couler, santé de tous les soldats de marine. 12. Les soldats de marine, je comprends pas trop le but en fait. Parce que les soldats, on est d'accord que. Ils sautent pas en fait sur le navire quand on fait des abordages. Je crois qu'il y a des trucs que j'ai pas trop. Il y a un échelon de neuf qui se balade. Et j'ai pas trop saisi en fait. Genre les soldats de marine. Du coup, les soldats de marine, c'est ça? Ah, ça, c'est les lieutenants. Et moi, quand je fais un abordage, je vois seulement les lieutenants hein, qui bougent.
Enfin bref, c'est un peu bizarre. C'est un peu étrange. Ouais. Bon, bref. En tout cas, on a bien avancé. Non. Je vais regarder les mercenaires. Lui, on l'a vaincu. Ça, c'est une nouvelle. Hippolyta, l'armure. Plus 30% à toutes les résistances. Elle a l'air vénérale. À l'échelon 3, ils sont chauds. Hein. C'est des 40 plus à chaque fois. Elle, elle a un super casque. Enfin, il est... c'est un style, hein. Mais je me demande si on peut avoir cette armure, cette, ce skin-là. De classe. Vraiment classe. Fait les autres, ils ont l'air un peu banal. Alors, lui, il a l'air pas mal, sympa. Bah, c'est un bourrin, quoi. Ouais, on a un 38 et un 39 hein, dans notre rang. Mais, putain, mais... Voilà, merci. Je vais voir ce qu'il donnait, mais... Mais après, je suis sûr que eux deux, on peut se les faire. Bon, peut-être pas en même temps, d'accord. Mais je suis sûr qu'on peut, peut-être les combattre. En tout cas, merci d'avoir regardé. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao.